Bonjour à tous, nouveau vlog. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, je fais une maille pour le barrage au chalut. Ensuite, je pince, je fais le tour, je fais ma demi-clé et je serre. Et je chouque. Et tu quoi? Je chouque. Ça veut dire que tu serres? Voilà. Donc là, je continue, je refais une maille. Tac, encore une là. Pince, je fais ma demi-clé, je chouque, la maille de côté. C'est quoi la différence? Bah là c'est des mailles, je fais ça et c'est moi qui fais la maille. Je fais là la maille, il y a une petite maille. Ah oui, d'accord. Je fais ça, je fais en dessous, je passe dedans une fois, je serre et je fais ma demi-clé. Là ensuite c'est une maille de relève. Maille de relève. Ouais, je place en dessous. Donc là c'est maille normale. Ouais. Ça on appelle ça une maille de côté. Là c'est une maille de relève. Ça. Tac. Je bouge. C'est le même nœud? Ouais, toujours une demi-clé. Et là, je suis parti en bas, faut que je remonte en haut. On met une maille. Tac, en bas. Tu chouques. Je chouque. En bas. Il faut toujours les faire un peu plus petites les mailles. Parce que dans l'eau ça se tend et ça se serre quoi. Ah, un peu comme ça. Ouais. Et après il finira comme ça dans l'eau. Et ça. Ouais. C'est oui, donc en fait ça. Pour faire la maille ça, un peu plus petite. Comme ça, parce qu'elle s'agrandit. Ok. Sur la taille de maille. Le nœud se serre et la maille se détend. C'est ça. Ok. Et là, je finis sur mon 3. Hop. Et le trou, il est bouché. Et pour finir, il y a un truc particulier? Bah, t'en fais deux demi-clés. Ouais. Pour pas que ça bouge, quoi. C'est vite. Et tu fais un nœud d'arrêt. Nœud d'arrêt. Tac. Côté que le fusil parte. Si tu refais un nœud d'arrêt pour ton aiguille, pour partir sur un autre trou. Tour. Tac. Là t'as ton nœud d'arrêt, ça peut pas partir. Et ça c'est pour si tu dois repartir dans un trou, c'est pour bloquer. Ok. Tu fais ta demi-clé et tu repars. Ok.